Je l'ai dit avant le match, rien n'est acquis, que ce soit défensivement ou offensivement, rien n'était acquis. Cette défense, elle a, oui, explosé. On est complètement passé à côté de notre match, c'est un match raté. Moi le premier, je n'ai pas su aider les joueurs à réagir. Et voilà, j'ai passé du temps pour analyser ça aussi avec un peu de recul. Là, à chaud, effectivement, on manque complètement notre match, on passe à côté, que ce soit défensivement, même offensivement. Enfin, voilà, il y a beaucoup trop de carences. Et je vais analyser pour qu'on puisse repartir de l'avant le week-end prochain. Je vais pas me cacher derrière la pluie, le vent. Elle était pour les deux équipes. Non. Si on est passé à côté, c'est pas à cause du temps. La tempête, elle n'était pas météorologique. Elle était dans notre animation, dans notre jeu et dans notre défense aujourd'hui. On est passé à côté à Angers aussi, on a fait un bon résultat à Montpellier. Non, c'est pas l'inquiétude, oui, sur ce match-là. Maintenant, est-ce que on a vraiment tout donné ce soir? Est-ce qu'on a vu le maximum de l'Estac et du groupe ce soir? Je suis convaincu que non. Donc, il reste du temps, il reste des matchs, on a de l'urgence. Mais je suis convaincu qu'on n'a pas vu, je sais pas, vous le connaissez mieux, mais on n'a pas vu le maximum de ce qu'on peut faire sur le terrain. Et je suis à voir les joueurs, ils savent aussi qu'ils n'ont pas donné le maximum d'eux cet après-midi. C'est à moi de ressouder tout ça, c'est à moi de refaire partir, de recréer ce groupe, cette équipe, que ce soit défensif comme vous l'avez souligné, ou même de continuer offensivement, à intégrer notamment les nouveaux joueurs. Ça ne va pas se faire, on l'a vu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, donc inquiétude, oui, non. Oui pour aujourd'hui, mais comme on n'a pas donné le maximum, non. Moi j'ai besoin d'analyser. J'ai besoin d'analyser le contenu, c'est une chose, mais le pourquoi. Et manquer un match, ok, mais voilà, on ne doit pas se manquer deux fois de suite, et à moi de trouver les clés pour pas que ça se reproduise à Rennes.